Weber, Wicker. Comment réaliser un petit scellement en extérieur? L'aménagement des extérieurs d'habitation nécessite des travaux spécifiques, notamment pour fixer les éléments tels que potelés, piquets de clôture, étendage à linge, balançoire ou, comme dans notre exemple, poteaux de boîte aux lettres. Ces scellements nécessitent un travail soigné et rapide pour favoriser une mise en œuvre express. Pour réussir ces opérations, voici le matériel à utiliser. Une pelle et une pioche, un niveau, un seau doseur, une truelle. Les matériaux, une boîte aux lettres, un poteau, un béton de scellement rapide sans malaxage. Avant de commencer les travaux, veillez à porter les éléments de protection tels que gants et chaussures de sécurité. Voici maintenant comment procéder. Creusez une réservation. Le trou devra être de 10 à 25 cm plus large que la section de l'élément à sceller et d'une profondeur en cohérence avec la charge et la taille de l'élément. Humidifiez les parois de la réservation. Par couche de 20 cm, versez l'eau, puis sans attendre, le béton sans malaxage. Positionnez et centrez le poteau, puis réglez le niveau de l'élément. Répétez l'opération jusqu'à remplissage total de la réservation de façon homogène autour de l'élément. Humidifiez la surface, puis damez à l'aide d'une truelle pour chasser l'air et finaliser votre scellement. Après 15 minutes, le poteau est scellé. Fixez alors la boîte aux lettres en partie supérieure. La pose de votre boîte aux lettres est terminée. Nos conseils. Pour ne pas fragiliser le scellement, une fois positionné et réglé dans la première couche de béton sans malaxage, le poteau doit rester immobile jusqu'à remplissage complet de la réservation. Les pièces métalliques à sceller doivent être propres, dégraissées et exemptes de rouille. Weber, Wicker.